Ah, c'est Jeff qui le fait ? Ouais, c'est moi. Vas-y. Ah, c'est moi. J'ai super bien vécu parce que j'ai une famille extraordinaire qui s'occupait de tout ce qui se passait en dehors du terrain. Et moi, j'avais qu'à me préoccuper du terrain. Avec Angers, je restais focalisé sur mes objectifs. Et puis, quand ça s'est fait, quand mon frère et mon agent m'ont appelé, bah, j'étais très heureux. C'est une récompense d'un petit bout de chemin pour ma famille et moi, donc je suis très heureux. Qu'est-ce que ça fait de se dire « je vaux 25 millions d'euros » Sérieusement. Sérieusement, mais franchement, je me prends pas la tête avec les chiffres parce que aujourd'hui, on va dire ça de moi. Si demain je suis mauvais sur le terrain, ça va plus compter. Donc c'est des chiffres, c'est le football de maintenant. J'ai choisi Lyon parce que c'est un projet qui, je pense, à mon avis, me convient le mieux. Je connaissais beaucoup de monde déjà, pas mal de monde par rapport aux espoirs, ce qui m'a aussi conforté dans mon choix. J'ai un peu discuté avec Oussem pour lui demander comment était le club, mais après c'est vraiment… Qu'est-ce qu'il a répondu? Il en a dit que du bien. C'est un enfant du club, il m'a dit comment ça se passait au sein du club. Je pense que je suis prêt mentalement maintenant à rentrer dans ce type de vestiaire, ce type de club. Comment est-ce que vous vous définiriez ? Un joueur qui prend des risques, un joueur qui peut porter le ballon, qui peut jouer avec ses coéquipiers, mais surtout un joueur qui casse des lignes. Quel est votre meilleur poste ? Ça a été un vrai débat, ça. Jeffrey Naledi, il est ailier droit ou il est milieu relayeur ? Pour moi, ça a toujours été dans l'axe, milieu relayeur. Après, je sais qu'à Angers, c'était un plan de départ pour voilà, compenser ce que j'avais moins travaillé à Arsenal, les replis défensifs. Le coach m'a bien dit, avec Juninho, que c'était dans l'axe qu'il voulait m'utiliser.